Eh bien, yo les gars, c'était au policier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Fortnite, sauver le monde, les gars. Donc, pour un pack opening de Dilama, pas hivernal, mais ceux d'avant, je sais plus comment ils s'appellent vraiment. Donc, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout à mettre le code créateur, code tiré du bas TPE. Et puis voilà, donc voilà, c'était les lamas du cauchemar. Donc, voilà. Donc c'est parti, donc en fait là c'est juste un gameplay, enfin c'est juste un rec que j'ai pris et là je rajoute ma voix dessus parce que j'avais pas pensé à, enfin j'avais mis mon micro, j'étais en train de rec et tout, mais comment vous dire que tout simplement j'étais en mute, du coup je suis obligé de refaire tout ça quoi. Donc voilà, vous allez voir qu'on a eu des bonnes choses quand même je trouve, moi clairement j'ai été satisfait de mes récompenses pour Dilama du cauchemar. Clairement, j'étais vraiment content. Et puis voilà quoi. Donc c'est normal si j'avance, hein, les trucs bleus et verts, hein, ça sert un peu à rien. Même si je suis petit niveau sur ce compte, mais ça va quand même pas me servir. Donc voilà. Donc voilà, là j'accélère. Donc là je crois que dans ce truc on aura un légendaire. Je suis pas sûr. Ah non, on aura 4 épiques, voilà. Donc Kyle du vendredi 13, c'est pas mal, avec un Genesis. Hop, des pieds de sol, on s'en fout, clairement. Danger réparateur, un survivant épique encore, et un légendaire, et ça sera un choix pour une épée normalement, si j'ai pas de bêtises. Ah non, c'est pour soit Beetlejuice, donc vous allez voir, j'ai pris Beetlejuice. Voilà. Voilà, on continue. Trois lames restants. Donc voilà, j'accélère tout le temps. C'est pour pas que ça soit ennuyant pour vous, quoi. Donc voilà, tambour noir, clairement, cette arme, je l'ai testée. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal en vrai. Pour un petit niveau comme moi, vraiment, je trouve c'est pas mal. Hop. Là, on a des trucs bleus, on a eu beaucoup de trucs bleus. Là, on a Ramirez Soldat Ghoul, un épique survivant, et après, on a. Quoi? Normalement, on avait encore un truc, mais bon, d'accord. Un dynamo mural en vert, ça servira à personne, je pense. Un épique survivant, un défenseur, un noircisseur et un survivant. Voilà, c'est ce pas. Enfin, c'est ce lama que je vous disais en fait, qui avait plus de trucs. Voilà. Là, on avance encore. Mais ce qui est chiant, c'est que tout le temps, les survivants épiques, ils reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans chaque lama, j'ai eu ça, regardez. Là, on a eu trois trucs légendaires, enfin, trois héros légendaires. Au moins, c'est pas mal. Mais après, on a beaucoup, beaucoup de survivants. Et je trouve que c'est quand même abusé, quoi. Ça aurait été des survivants légendaires, j'aurais pas dit non, mais là, du épique, c'est pas. Voilà, quoi. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le code créateur, code TPE, le like et l'abonnement.